Salut à tous, c'est très ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo courte, mais assez intéressante puisqu'on va parler de la reine des archères qui va maintenant s'habiller avec ce nouveau skin, le skin reine gladiatrice. Et il est juste super beau, il est magnifique. Voilà, reine gladiatrice, elle est super jolie, l'armure elle est très belle, ce gris un petit peu, gris plutôt gris souris, le violet un petit peu pétant, le regard, regarde-moi ce regard de gladiatrice, de tueuse, comme disait un certain chanteur, elle a les yeux revolver, honnêtement c'est le cas. Et si on compare ça à l'ancien skin, honnêtement, il n'y a pas photo, puisque d'un coup, l'ancien skin paraît vraiment old school, très vieillot, burk. Et là, franchement, elle est géniale. Très joli skin. Les couleurs, il y a deux couleurs principales, du gris, du violet. Il est bien fait. Et honnêtement, je le préfère largement et de loin à celui du roi, pour être honnête. On voit ici ce que j'adore, c'est le salut qu'elle fait. Elle est géniale, voilà. Mais à vos ordres, monsieur, je vais attaquer. À vos ordres. Bon. Intelligence, on verra un peu plus tard, ceci dit, parce que hein, ça n'a pas été modifié, ça. Et on va aller voir deux gameplays, mais c'est rapide, juste pour voir en fait sa mobilité, comment elle se passe. Beaucoup trouvaient que le roi, avec le skin gladiateur, et même indépendamment du skin gladiateur, un petit peu lent dans ses gestes, l'impression qu'il est un petit peu au ralenti, hein, presque sa cuine parce qu'il n'y a pas assez de graisse. Et là, et ben écoutez, la reine, je trouve qu'elle est rapide dans son déplacement, qu'elle est rapide dans l'attaque, on va la voir, là, je laisse un petit peu rentrer, histoire, là, je la dépose à la fin, et on voit ici, voilà, vous voyez, elle avance assez rapidement, et le skin, encore une fois, lui va vraiment à merveille, voilà, on est à vitesse réelle, hein, j'ai pas accéléré, voilà, elle avance bien, elle tire à une cadence comme on l'a toujours connue, donc ça donne cette impression qu'elle est plus rapide que le roi. Et donc bon, après c'est une impression, évidemment, hein, ça reste relatif à mon point de vue. Mais voilà, en tout cas, moi je trouve encore une fois ce skin super beau. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est pour quand? Eh bien écoutez, c'est pour les prochains challenges de saison, les défis de saison qui vont commencer donc le 1er mai. Donc les prochains jeux, défis de saison, vous allez pouvoir débloquer le skin de la reine. Et je suis sûr qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui vont rapidement gémir pour la voir. Et d'autres qui vont jouer la patience. Voilà, une fois morte, voilà, on la voit ici. Ouh, il est un petit peu à gauche, à droite. Et franchement, elle est juste super belle. Je suis sous le charme. Honnêtement, je suis sous le charme de ce skin. Mille fois mieux que celui du roi. C'est mon point de vue, encore une fois. Moi, j'adore. Un deuxième gameplay avec un AQH. Hein, on voit bon, un petit peu en accéléré. Mais voilà, encore une fois, bon, ça ne change pas grand-chose pour le skill. Hein, je vous informe, hein, les gars et les filles. Le skin ne fait pas le skill. Ah, c'est pas mal. Le skin ne fait pas le skill. Ah, j'adore ça, tiens. Gouloulou 2019. Voilà. Ouais, c'est une courte vidéo pour vous montrer voilà, l'arrivée de ce nouveau skin qui va falloir débloquer avec les défis saisonniers qui vont arriver le 1er mai. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous pensez de ce skin. J'achète ou j'achète pas. Enfin, pas dans le sens je j'aime, évidemment, mais dans le sens vous adorez. Voilà, plutôt j'adore ou j'adore pas ou j'aime pas. Voilà, en tout cas dites-nous, voilà, dans les commentaires, dites-moi ce que vous en pensez de ce skin. Moi, je kiffe et je surkiffe. Voilà, je vous dis à très bientôt, bis à tous et portez-vous bien. Ciao.